C'est parti pour une nouvelle rencontre entre la France et la Roumanie. Les deux équipes là vont jouer la première place du tournoi puisqu'elles ont toutes les deux gagné leurs deux premiers matchs. Donc ça va être un match très disputé, nous espérons en tout cas. La Roumanie va engager pour cette première mi-temps. On a déjà le reste du classement à l'issue de la dernière rencontre entre la Pologne et la Suisse. La Suisse termine troisième du tournoi et la Pologne quatrième. Et là, pour la première et la deuxième place, c'est parti. Alors jusqu'à maintenant, la 5 de zone a bien réussi à nos Françaises. On va voir si elles vont réussir à perturber la Roumanie. Premier avertissement pour Sofia Ferry, numéro 3. Bel arrêt de la gardienne. Alors c'est Clara Char qui a débuté dans les buts. Très bien défendu de la part de Manon Grimaud. Ah. Occasion ratée pour la numéro 4, Roumaine. Alors la Roumanie défend également un 5 de zone. Très bien joué de la part des Françaises. Superbe arrêt de la gardienne, numéro 16, qui a fait un très bon début de tournoi jusqu'à maintenant. On va le récupérer pour les Françaises, relance. Sur Kim Andretti encore une fois. Très bien. But marqué pour cette fois-ci.
une joueuse. Romaine restée au sol. Alors la France mène 1-0 pour l'instant. Très bien, très bien, très bien défendu pour la France pour l'instant. Ce sera un corner pour la Roumanie. Elles sont très présentes sur le porteur de balle pour l'instant. C'est très bien ce qu'elles font. C'est très bien tenté de la part de la Roumaine. Numéro 10, Adina Ili, qui a fait un très bon début de tournoi également. Voilà. Exclusion de minutes pour la numéro 4, Roumaine. Et un pénalty obtenu pour la France. Occasion de 2-0. Tiré par Kim Andretti. Arrêt de la gardienne roumaine. Deuxième arrêt sur Kim Andretti. Très bien défendu par les Françaises. Ah, le pivot qui glisse tout seul derrière. Premier but pour la numéro 6 roumaine. Un petit marché. Balle récupérée pour les roumaines. Dommage, c'était pas mal engagé de la part de Kim Andretti. Penalty obtenu pour la Roumanie. Tiré par la numéro 3. Buka Oana. Face à Clara Short. But concrétisé pour la numéro 3. La Roumanie qui repasse devant, 2-1. Très bien joué de la part de Kim Andretti. La France qui vient d'égaliser, 2-2. Très bien défendu de la part des Françaises. Balle récupérée. Balle récupérée pour les Roumaines. Très bel arrêt de la part de la gardienne. Clara Schaft.
Et pénalty obtenu pour la France. Et c'est Takamu Michel Alissa elle-même qui va détirer le pénalty. Très beau but de sa part. Permet à la France de repasser devant. 3 buts à 2. Très bien joué de la part des Roumaines. Très très bien joué. Belle tentative de la part de Mathilde Lauréa, arrêtée par la gardienne roumaine. Mathilde Lauréa qui a fait jusqu'à maintenant un très très bon début de tournoi. La gardienne roumaine a bien dû étudier tous ses impacts. Il faut qu'elle arrive à changer ses angles de tir. Sanction pour la Roumanie, exclusion 2 minutes pour la numéro 17. Très bien joué de la part de Mathilde Lauréa. La France est donc en supériorité numérique. Très beau but de Mathilde Lauréa qui a bien répondu à sa première tentative. Très bel arrêt de la part de Clara Schaft sur l'ailière numéro 10 roumaine. Très beau but de Kim Andretti. Très présent pour ce début de partie. Balle récupérée pour les Françaises. Ah, très belle relation entre Kim Andretti et Sophia Ferry. Très bel arrêt de la part de la gardienne, très présent dans ce début de partie, la gardienne française. Belle relance sur Djeneba Silla. N'a pas pu la rattraper sur une faute de main. Oui, le coach lui demande de la rattraper à deux mains. Très bien défendu de la part de Mathilde Lauréa. Belle tentative et très bel arrêt de la gardienne française. Balle récupérée par les Françaises. Dommage, c'était très bien joué de la part de Manon Grimaud. Les Roumaines sont repassées à égalité numérique. Très, très beau but de Mathilde Lauréa.
Ouh là là. Belle action de la numéro 13. Woman, Laszlo Krisztyna, qui avait raté sa première tentative et qui concrétise maintenant par un très beau but. Il faut réussir à libérer la balle avant de se faire attraper. Très bien rattrapé, dommage. Belle action. Manon Grimaud avait très bien joué là. Elle a réussi à battre son défenseur direct, à battre la première ligne défensive pour exploiter le jeu sur la deuxième ligne. Il y avait une petite zone, les arbitres ont sifflé zone pour Mathilde Lourila. Très bien défendu de la part de Mathilde Lourila. Bonne défense française. Il y aura une sanction. C'était très bien défendu par les Français. Elles sont très présentes. Beaucoup de mobilité, d'agressivité sur le porteur de balle. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, balle récupérée pour les Françaises. Très bien défendue. C'est bien ce qu'elles font pour l'instant en défense. Très bien joué. Et nouvel arrêt pour la gardienne roumaine. Sur Sofia Ferry. Qu'elles prennent le temps de sauter un peu plus, de fixer la gardienne. Très bien joué de la part de Manon Grimaud. Elle sait que cette joueuse numéro 13, Krisztyna Laszlo, aime faire son 1 contre 1 interne-externe. Elle a bien attendu, c'est très bien joué de sa part. Dommage, c'était pas mal joué de la part de la Française. Numéro 21 qui vient d'entrer. Temps mort demandé par la France, qui mène 6 à 5 pour l'instant. On va voir ce qui a été demandé par le coach français. Faute de main, dommage. La part numéro 18 qui vient d'entrer. Très belle action de la numéro 13. Encore une fois, Laszlo Krisztyna, qui jusqu'à maintenant effectue un très bon tournoi. La Roumanie égalise 6 partout. Les Françaises ont un peu de mal à attaquer cette 1-5 avec la numéro 1 devant qui est très avancée. Le bras est levé.
bien exploité de la part du numéro 21. Et beau but de Chalmandrier, Maël. Bonne défense des Françaises. Elle réussira à jouer vite vers l'avant. La France est repassée devant. 7 à 6. Bien récupéré de la part des Françaises. Ils ont un peu de mal avec ce numéro 1 qui est très haut devant. Qui exerce une grosse pression défensive sur le porteur de balle. Tentative ratée pour la numéro 18 française. Bonne défense, c'est bien rattrapé. Bien défendu par les Françaises. Bocamp de la numéro 10. Récupération roumaine. Les Françaises récupèrent de nouveau la balle. Beau but, la numéro 20, Sachka, Marie-Hélène, qui joue actuellement son deuxième match, qu'on avait évolué le match d'hier contre la Pologne. Balle récupérée par les Françaises. C'est bien ce qu'elles font, elles font douter les Roumaines actuellement. Bonne défense de la part des Roumaines. Faute de main de la part de la numéro 20. Ils ont un petit peu de mal avec cette défense très haute là, la française. Bien joué de la part de la Roumanie. Bel arrêt de la gardienne française. Très présente dans ce début de partie. Clara Scharft. Occasion ratée de Jenny Bacilla. Qui avait bien attendu. Qui était bien équilibré en l'air. Dommage, un poteau. Très beau but encore une fois de la numéro 13, Laszlo Cristina, qui est très présent dans ce début de partie, la Roumaine. Balle perdue pour la France, beaucoup de fautes de main actuellement. Très bien défendu de la part des Françaises. C'est bien ce qu'elles font actuellement. Elles sont très mobiles. Beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle. Une petite action manquée. Très bel arrêt encore une fois de la gardienne. Très bien redéfendu de la part des Françaises.
très présente cette gardienne, Clara Scharf. C'est très bien ce qu'elle fait pour l'instant. Dommage, c'était pas mal vu. Les Roumaines ont bien défendu. Et beau but en contre-attaque de la numéro 19. Pour la Roumanie, Corban Daniela. La Roumanie revient à égalité 8 partout. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Une perte de balle encore une fois de la numéro 18. Ils ont du mal à se comprendre un petit peu là, les Françaises. Allez, ce n'est pas grave. Il faut rester concentré, récupérer la balle en défense. Bonne défense des Françaises. Dommage, une relance un peu longue. Très bien défendu de la part des Françaises. Elle a hésité cette fois-ci à relancer. Très beau but de la numéro 10 qui n'a pas hésité. La pivot française. Pullery, Emma. Très bien défendu de la part des Françaises. Balle récupérée pour les Françaises, la Roumaine qui glisse. Bien jeu vers l'avant. Allez, Geneba. Très bien concrétisé de la part de Geneba. Très content de marquer ce premier but dans cette partie. Balle récupérée pour les Françaises. Un but qui permet de repasser à plus 2. C'est important pour elle. À 7 minutes de la fin de cette première partie. Faut aller vers le but, faut aller vers le but. Très bien joué entre Geneba et la pivot. Très belle action. Et but de la numéro 10, Pullery Emma. Temps mort demandé par la Roumanie. Et la France qui passe à plus 3. Très bien défendu de la part des Françaises. Toujours aussi présente, c'est très bien ce qu'elles font. À
bien exploité de la part des Roumaines. Il y avait un petit retard de la part des défenseurs. Elles ont réussi à l'exploiter, à marquer derrière. Elles reviennent à moins 2. Ah, dommage, parce que c'était très bien joué de la part de Grimaud Manon. Bien défendu encore une fois de la part des Françaises. Tir raté pour la numéro 20, qui n'est pas très bien exploité la situation. Elle a tiré assez vite. Elle aurait pu se rapprocher du but. Sanction pour Sylla Djeneba. Très bien joué de la part des Roumaines. Elles ont exploité le jeu d'air, le numéro 1. Et elles reviennent à moins 1, les Roumaines. Un temps mort qui leur a fait du bien. Balle récupérée pour les Roumaines. Sanction. 2 minutes. L'arbitre a préféré laisser jouer. Il estimait qu'elle avait l'avantage et qu'elle pouvait se rééquilibrer pour marquer en faisant 3 pas et non 4. Les Roumaines sont revenues à un but des Françaises. Elles sont en infériorité numérique. On va jouer sur une prise en strict d'une arrière. Il reste moins de 5 minutes dans cette première partie. Très bien défendue de la part des Françaises. Ce sera un corner pour les Roumaines. Bien exploité de la part des Roumaines. Un petit problème de communication entre les Françaises. Très beau but de Mathilde Lorilla. Pour son deuxième but dans cette partie, c'est très bien ce qu'elle fait pour l'instant, Mathilde. Très bien défendu par les Françaises. Balle récupérée pour les Françaises. On joue vers l'avant avec Kim Andretti. Très bien joué avec l'ailière droite. Qui marque son premier but dans cette partie, la numéro 14. Aude Stéphane. La France repasse à 2 buts. Encore une bonne défense pour les Françaises. Les Roumaines qui ont un peu de mal à trouver le but. Super barré de la gardienne. Encore une fois, Clara Scharf. Très bien joué de la part de la Française. Superbe relation entre le demi-centre et l'arrière. But de la numéro 10. Pulleri Emma. Et superbe passe de la numéro 2. Aude Euphrasie.
La France repasse à plus 3 à 2 minutes de la fin du match. Ah, petite incompréhension entre les défenseurs et la gardienne. Voilà, les Françaises vont recalmer le jeu. Se replacer. Mauvaise phase de faute de main là pour les Françaises. Une balle de moins un pour la Roumanie. Très bien défendue par la Française, Kim Andretti. Plus qu'une minute dans cette première partie. Balle de moins un pour la Roumanie. Encore une fois, super barré de la gardienne. Clara Scharft. Françaises vont monter la balle. Très bien joué. But de la numéro 14. Aude Stéphan. Superbe passe de la numéro 2. Aude Frazy. Les Françaises repassent à plus 3. Moins de 30 secondes dans cette première partie. Pivot qui glisse. Pénalty obtenu pour la Roumanie. Alors, pénalty tiré par la numéro 3, roumaine, Buca Oana. Son deuxième pénalty marqué. Occasion ratée par la numéro 2. Et occasion, nouvelle occasion ratée. Avant cette fin de première partie, la France mène 15 à 13. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre la Roumanie et la France. On va avoir une occasion ratée par les Roumaines. Balle récupérée pour les Françaises. Tentative de jeu à l'intérieur, bien défendue par les Roumaines. Passage en force obtenu pour la Roumanie. Sur Mathilde Lorila. Mathilde qui avait choisi d'aller au but sur cette action. Qui a préféré ne pas libérer pour son ailier.
Très bien joué. Un beau penalty obtenu par Sofia Ferry. Très belle relation jouée entre Sofia et la numéro 21. L'équipe de France. Maëlle Chalmandrier. Penalty tiré et marqué par Takamu Michel Elsa. La France repasse à plus 3. Les Françaises toujours aussi présentes défensivement. La transpercée par la numéro 13, Christina Laszlo. Très bien joué par les Françaises. Et la numéro 8 qui marque son premier but, Elsa Deville. Relation trouvée à l'intérieur. Sofia Ferry qui n'a pas eu le temps de couvrir sur le pivot sur cette action. Il y a beaucoup d'espace entre les Françaises. Belle parade de la gardienne roumaine. Et très beau but pour Elsa Deville. Second but dans cette deuxième partie. La France passe à plus 4 dans cette deuxième partie. Dommage, c'était pas mal provoqué par la Roumaine. L'arbitre revient à la faute. Très bien défendu par les Françaises, toujours aussi présentes. Tentative loupée pour la Roumaine. Bien défendu par la Roumaine, Sorki Mandretti, qui avait tenté de porter la balle pour battre son défenseur. Encore très bien défendu par la Roumaine, numéro 1 qui est toujours très haut devant. Super barré de la gardienne française. Numéro 12, Morgane Mannequin. Son premier arrêt de cette deuxième partie. Même relation trouvée entre l'arrière droite et le pivot. Un petit problème de communication entre Sofia Ferry et la numéro 2 à côté d'elle. Pivot roumain qui profite bien des espaces qu'il y a entre les Françaises pour glisser. C'est ce qu'il faut faire, elle a raison. C'était très bien joué de la part des Françaises. Il y aura une grosse sanction, imagine, pour la Roumaine. Exclusion de minute pour la Roumaine et pénalty pour les Françaises. Penalty tiré par Takamu Michel Alissa. Balle de plus 4 pour la France. Bel arrêt de la Roumaine encore une fois. Qui fait une grosse partie. Hein. La numéro 16 roumaine. Fait une très grosse partie. Clairement Bianca. Tout au long du tournoi, elle était présente. C'est un des points forts de cette équipe roumaine. Et permet à la Roumanie de rester à moins 3. Balle récupérée pour les Françaises. En plus, là, il y a un truc de Patrice.
C'était pas mal joué par les Françaises, dommage, petite faute de main de la part de Mathilde Lorilla, qui reçoit la balle un peu en arrière. C'était pas mal joué par la Roumanie. Un bel arrêt encore une fois de la gardienne. Très beau bloc de la part de Sofia Ferry. Bien exploité par la 21. Maëlle Chalmandrier. Encore cette relation, cette fois-ci, elle sera sanctionnée 2 minutes pour Sofia Ferry. Pivot roumaine qui exploite bien le couloir de jeu libre derrière le dos du défenseur numéro 2 qui monte. Il y a un petit souci de communication entre Sofia Ferry et sa partenaire. Penalty qui n'est pas concrétisé par la Roumanie. La France qui a plus 4. Dommage, superbe action réalisée par Mathilde Lorilla. Encore une fois, elle trouve le poteau. Très bien joué par la Roumanie. Les Français se sont laissés embarquer par la rentrée en deux. La Roumanie revient à moins 3 sur la France. Elle sont en infériorité numérique, elle essaie de trouver des solutions. Très bien joué. Zone sifflée par l'arbitre. Balle récupérée par la Roumanie. C'était pas mal joué par les Françaises. Sur une petite relation entre l'arrière et l'ailière. Toujours la même relation qui est très bien faite entre l'arrière droit et son pivot qui glisse vers le dos du défenseur numéro 2. Il y aura peut-être quelque chose à faire. But de l'ailière droite. De l'ailière gauche, excusez-moi. Numéro 17 de la Roumanie. Carasol Alexandra Luminita. Très beau but de Mathilde Lorilla. Qui monte sa joie sur ce but. C'est très bien ce qu'elle fait actuellement. Très bien défendu. Encore une fois par Mathilde Lorilla, c'est bien ce qu'elle fait en ce moment. Elle est très présente. Balle récupérée par les Françaises. Dommage, c'était pas mal joué. Tentative de jeu à l'intérieur entre Mathilde et Sofia.
Le bras est levé. Belle récupérée pour la Roumanie. Très bien défendu par les Françaises. Dommage, une petite faute de main de la part de Sofia Ferry qui cherchait mais qui ne trouvait personne à qui donner la balle. Elle est un petit peu en difficulté sur ce match, Sofia Ferry. Une sanction, oui. Pour Malti Gorea. Pas sorti dans les bons timings. Très bien défendu par la France. N'a pas voulu jouer devant. Elle est en infériorité numérique. Elle a choisi de calmer le jeu. C'est pas plus mal. Très bien joué de la part des Françaises. Encore une fois, une zone. Ça fait de la deuxième zone pour Takamu. Très bien défendu de la part des Françaises qui rejouent devant. Très belle relance de la part de la gardienne. Et arrêt de la gardienne roumaine. Treize minutes dans cette deuxième partie. La France mène 20 à 17. Superbe but encore une fois de la numéro 13, Christina Laszlo. Elle met assez la France en difficulté sur ses tirs en appui de loin. Très bien joué de la part des Françaises et super but de Sofia Ferry qui met son premier but dans cette rencontre. Bonne défense de la part des Françaises. Très bien défendu. Balle récupérée pour les Françaises. Et but de la numéro 20, Sashka Marie-Hélène. À 18 pour la France. Superbe relation entre l'arrière droite et le pivot qui glisse encore une fois vers le numéro 2. Très bien joué de la part de Geneva Silla qui a été chercher son duel.
Djeneba Sila, qui est une des plus jeunes joueuses de ce groupe. Très bien joué de la part de la Roumanie. Penalty obtenu. Les Français sont un peu désorganisés sur cette défense. Ça monte énormément. Balle de moins 3 pour la Roumanie. Tirée par la numéro 10. But concrétisé. Pour Ili Adina. Superbe but de la numéro 7. Manon Grimaud. Grosse défense de la part des Françaises. Est-ce qu'il y aura une sanction ? La joueuse romaine qui se relevait pas sans peine. Et but de la numéro 6. Petite incompréhension entre les Françaises défensivement. La Roumanie qui repasse à moins 3. Bel arrêt de la gardienne roumaine. Sur un tir de la numéro 20 française. Sajka Marie-Hélène. Balle récupérée pour les Françaises. Balle de plus 4 de nouveau. Temps mort demandé par la France.
Échec pour Jenny Bacilla. Très bien joué de la part de la Roumanie. Il revient une balle de moins 2. Encore une faute de main pour les Françaises. La Roumanie, une balle de moins 1. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Bien défendu de la part de Jenny Bacilla. La Roumanie qui revient à moins 1. Défense qui est un peu désorganisée du côté français. On n'arrive plus à retrouver nos repères de la première mi-temps et du début de cette deuxième période. Super arrêt de la gardienne roumaine. Balle d'égalisation pour la Roumanie. Échec pour la numéro 13, Laszlo Cristina. Balle récupérée pour les Françaises. Encore un échec pour la France. Cette fois-ci, la numéro 7, Grimaud Manon. Nouvelle balle d'égalisation pour la Roumanie. Nouvel échec de la numéro 13. Françaises qui vont jouer vers l'avant. Et arrêt de la gardienne roumaine. De Villelza qui avait choisi de lober. C'était pas tout à fait la bonne solution. Temps mort demandé par la Roumanie. Balle récupérée pour les Français, c'est très bien. Après le temps mort demandé par la Roumanie. Il reste 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. La France mène 24 à 23. Une balle de plus 2, ce serait bien pour les Françaises. Dommage, c'était très bien joué par Mathilde Lorella. Allez, il faut réussir à libérer la balle sans se faire attraper. Les Roumaines sont revenus dans la partie. Bel arrêt de la gardienne roumaine. C'est dommage, c'était pas mal joué de la part des Françaises. Balle d'égalisation pour la Roumanie. Bien défendu pour la Française.
Balle récupérée pour la France. Superbe action de la gardienne. Dommage. C'était pas mal joué, cette tentative de but direct de Morgane Mannequin. Et la joueuse roumaine est restée au sol. Superbe action de la Roumanie qui égalise sur ce but. Elles sont revenues dans la partie. Les Roumaines, elles sont très en confiance. Balle de plus en pour la France, ce serait bien pour elles. Très bien joué de la part des Françaises. Une action qui n'est pas sifflée par les arbitres. Dommage. C'était pas mal joué. Balle de plus en pour la Roumanie. Il reste 8 minutes dans cette deuxième partie. Et super but de la numéro 13, Laszlo Cristina. La Roumanie passe devant pour la première fois dans cette rencontre. Dommage, c'était pas mal joué de la part de Mathilde Lorilla qui cherchait le pivot à l'intérieur. Très bien joué. Et égalisation de la part des Françaises. Très bien joué de la part de Mathilde Lorilla qui trouve le pivot à l'intérieur. Puléry Emma qui reste au sol. Elle est mal retombée après son tir. La France égalise 25 partout. Voilà, Emma Pouleri qui est sortie après cette chute. Elle semble avoir très mal. Très bien joué de la part de la Roumanie. Bien défendu de la part de Sofia Ferry. Superbement bien défendu. Encore une fois, très bien défendu par les Françaises. Le bras est levé. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième partie. Le bras est levé. Bel arrêt de la gardienne française. Une balle toujours pour la Roumanie. Bien défendu par les Françaises.
Balle est redonnée à la Roumanie. Superbe but de la numéro 6. Andrei Iulia Maria. La Roumanie repasse à plus 1. Très bien joué de la part. Arrêt de la gardienne roumaine. C'est très bien joué de la part des Françaises. N'a pas été sifflé. L'arbitre a laissé jouer. Bien défendu de la part des Françaises. Belle action défensive. Balle récupérée pour les Françaises. Superbe but de Mathilde Lorillard qui prend ses responsabilités sur cette action. C'est très bien ce qu'elle fait durant toute cette partie, Mathilde. La France revient à 26 partout. Et beau but de la numéro 20. Vassilius Sonia. La Roumanie repasse devant. À 3 minutes de la fin. 27 à 26. Très bien défendu par les Roumaines. Dommage, c'était très bien joué entre Mathilde et Sofia. Balle de plus 2 pour les Roumaines. Qui passe à 26-28. Allez, il ne faut rien lâcher là pour les Françaises. Un peu plus de 2 minutes 30 à jouer. Deux buts d'écart. Dommage, c'était pas mal joué de la part de Kim Andretti. Elles sont très présentes, les Roumaines. Temps mort est demandé par la France. Kim Andretti avait encore la balle au moment. Au moment où le temps mort a été déposé. Allez, plus que 2 minutes à jouer dans cette deuxième partie. Ça va être très tendu. Les Françaises ont complètement remis les Roumaines dans le jeu. Elles sont très en confiance. Dommage, c'était très bien joué de la part des Françaises.
Plus qu'une minute trente à jouer. Les Roumaines vont conserver la balle. Belle remontée des Roumaines dans ce match. La France avait l'ascendant au début du match. Très bien défendu par Sofia Ferry. Bonne défense française, c'est très bien. Bel arrêt de la gardienne française. Superbe but de la France. Inscrit par la numéro 8. Elsa Deville. 27-28 pour la Roumanie. 40 secondes à jouer. Temps mort déposé avant par la Roumanie. Il ne reste plus que 30 secondes de jeu. Les Roumaines sont totalement en confiance. Elles ont profité des erreurs françaises pour revenir dans le match, repasser devant. Et là, à 30 secondes de la fin de cette partie, elles sont prêtes d'avoir la première place. Cinq secondes à jouer. Balle pour la Roumanie. Toujours un but d'avance pour les Roumaines. Il faut que les Françaises récupèrent la balle absolument pour espérer marquer. 15 secondes. Très bien défendu par les Françaises. Alors, but marqué par Kim Andretti sur le gang, qui n'est pas accepté par les arbitres. La balle est récupérée par la France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps reste-t-il? Ah, coup franc direct à 30 mètres. Quasiment du jamais vu. Et la Roumanie qui gagne d'un but sur le score de 28 à 27. Grosse déception pour les Françaises sur cette partie. Très grosse déception. Elles avaient fait un très bon tournoi. Et elles perdent sur un petit but après avoir mené durant toute la partie. La Roumanie termine donc première de ce tournoi. La France deuxième. Troisième la Suisse, quatrième la Pologne. Très déçues les Françaises parce qu'elles méritaient cette première place.
Il a pas pris les meilleurs points.